el erogir de los ojos y de la mía. Et en ces jours, nous aussi, nous sommes ici prosternés devant cet enfant. Nous reconnaissons en cet enfant les rois du ciel et de la terre. Les mages ont suivi l'étoile jusqu'à découvrir où était le Fils de Dieu. Nous aussi aujourd'hui, nous devons nous poser la question, où est notre étoile? L'étoile, c'est mon frère, c'est ma sœur, c'est mon modèle qui me conduit jusqu'à Jésus. Suis-je moi aussi étoile aujourd'hui dans ce monde pour amener mes frères et sœurs à découvrir Jésus qui est né parmi nous? Suis-je étoile? Nous sommes étoiles aujourd'hui quand nous devenons modèles pour nos frères et sœurs, que ce soit dans notre vie quotidienne, que ce soit dans notre vie comme laïque, que ce soit dans notre vie comme religieuse, comme chrétien, comme enfant de Dieu. Ma sœur, mon frère, où que tu sois, deviens ou reste étoile et brille pour tes frères et sœurs. Illumine tes frères et sœurs d'aujourd'hui pour qu'ils découvrent la vraie lumière dans le monde et dans le temps. Ensemble, marchons et découvrons l'étoile au fond de nous-mêmes et dans notre société, dans notre Église. Vous êtes étoile, comme vous brillez aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse où que vous soyez. Demandons la grâce d'être une vraie étoile et prions pour nos frères et sœurs, pour les amener vers Jésus, vient de naître dans nos cœurs et dans notre vie. Heureuse année 2022, marchons avec Jésus, notre lumière. Bonne fête à tous et bonne année. Que cette année soit une année de paix,
de lumière pour que nous puissions être des vraies étoiles où que nous soyons.